السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. La deuxième question dont tu es dont tu es interrogé dans ta tombe. ما دينك؟ Quelle est ta religion؟ تقول دين الإسلام. Tu dis ma religion c'est l'islam. أنا مسلم. Je suis musulman. يقول لك ما هو الإسلام؟ Et la personne te demande mais qu'est-ce que l'islam؟ بين لي الإسلام. Fais-moi montrer ce qu'est l'islam. تقول لا أدري. Est-ce que tu vas dire je sais pas؟ الإسلام هو أن تسلم لله بأنواع التوحيد الثلاثة. L'islam, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec les trois types d'unicité. Et le musulman doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, il ne doit pas désobéir. L'heure de la prière est entrée. Et la personne, et cette personne-là est assise, elle ne veut pas prier. Muslim. Est-ce que tu es musulman? Naam. Oui. Et bien il faut absolument que tu pries. الثالث لابد أن المسلم يتميز عن اليهود والنصارى. Donc le il faut la troisième chose, le musulman doit se distinguer des juifs et des chrétiens. هل هناك فرق بين اليهود والنصراني؟ Est-ce qu'il y a une différence entre le juif et le chrétien؟ هل هناك فرق؟ هل نحن نفرق بين اليهود والنصراني؟ Est-ce que nous faisons la différence entre les juifs et les chrétiens؟ نعم، اليهود لهم اعتقاد والنصارى لهم اعتقاد. Oui, les juifs ont des convictions et les chrétiens ont des convictions. اليهود لهم لباس والنصارى لهم لباس. Les juifs ont des habits et les chrétiens ont des habits. اليهود لهم عبادات والنصارى لهم عبادات. Les juifs ont des adorations et les chrétiens ont des adorations différentes. كذلك نحن لنا اعتقاد ولنا لباس ولنا عبادات غير هؤلاء. Eh bien, nous aussi, les musulmans, on a des convictions, on a des habits, on a des adorations autres que les leurs. أعاملهم بحسن الخلق أعاملهم بالوفاء بالعهود. Je dois me comporter avec eux. Je dois me comporter avec eux d'une manière correcte. نعم. الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. عندما تبدأ بالدين الإسلامي لابد الدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ترتقي. نعم. La religion comporte trois degrés. نعم. المرتبة الأولى. Le premier degré. الدرجة الأولى. Le premier degré. الإسلام. L'islam. المرتبة الثانية الإيمان. Le deuxième degré, l'iman, la foi. المرتبة الثالثة الإحسان. Le troisième degré, l'ihsan, l'excellence. المرتبة الأولى الإسلام. الإسلام أركان الإسلام خمسة. Le premier degré, l'islam, l'islam est composé de cinq piliers. المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان أركان الإيمان ستة. Le deuxième degré, c'est la foi et la foi est composée de six piliers. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد والله أعلم. Le troisième degré, c'est l'excellence, et l'excellence est composée d'un seul pilier.